Bonjour et bienvenue à Aventure Nord. Pour profiter du plein air, on n'est vraiment pas obligé de toujours partir dans des grandes aventures. Donc là, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus tranquille et qui va me permettre de me ressourcer sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Avec Claudie Ouellette de Cadence Sky à Baie-Comeau, on va faire une balade en stand-up paddle ici même à Pointe-le-Belle. Roxane est allée faire un tour à Pointe-le-Belle pour s'entretenir avec Claudie Ouellette de l'entreprise Sky à propos du SUP, le Stand-Up Paddle. L'activité de plus en plus connue dans la région, par Mademoiselle Ouellette, a fait plusieurs adeptes. Nous sommes allés la rencontrer et voir ses planches de plus près. Salut Yann, je m'en vais faire du Stand-Up Paddle, donc j'aimerais ça que tu me parles un peu plus en détail des types de planches qu'on peut utiliser. Bien, le stand-up paddle, communément appelé SUP, on a des planches gonflables. Les planches gonflables, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, ils sont assez robustes. Donc, si on veut descendre une petite rivière, puis qu'il y a des roches ou qu'on va la cogner, etc., qu'il y a des enfants qui vont l'utiliser, bien, c'est difficile à abîmer. C'est robuste à long terme. Et l'autre avantage, c'est qu'un coup tout dégonflé, ça va rentrer dans un sac qui ressemble à ça ici. Puis on a aussi à côté la pompe qui va nous servir à le gonfler. Ça prend à peu près 4-5 minutes à gonfler. Fait que c'est pas très, très long. Sinon, pour ceux qui vont aller dans des endroits calmes, qui vont vouloir avoir une planche stable, une planche rigide, ben on a un modèle comme ça ici, qui est une planche rigide, qui va nous donner beaucoup plus de stabilité, qui va nous donner on va prendre l'énergie qu'on va prendre en pagayant debout sur la planche avec notre pagaie, on va la transmettre beaucoup mieux à notre planche quand elle va être rigide. Donc, pour les gens à ce moment-là qui veulent s'équiper d'un support à voiture et qui vont la transporter de cette façon-là, ben c'est sûr et certain qu'ils vont avoir un petit peu plus de performance avec une rigide comme ça ici. Bonjour Claudie, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que le stand-up paddle. Le stand-up paddle, c'est une grande planche de surf qu'on sert avec une grande pagaie pour pagayer, pour propulser la planche sur l'eau. Donc, c'est vraiment un sport qui est plaisant. On peut le pratiquer sur les lacs, la mer, la rivière. On est debout, on est assis, on est à genoux. Alors, on peut le faire n'importe quand, n'importe comment. Puis, on peut même aller à la pêche, on peut faire plein d'activités avec ça et même du yoga sur la planche. Mais justement, ça fait pas si longtemps que ça que c'est un sport qui est populaire. Ça vient d'où? Ça a été popularisé à Hawaï, mais ça vient d'un sport polynésien. C'est un sport avec les gens riches, les rois polynésiens, tout ça, ils pratiquaient ça sur l'eau, avec des vieux matériaux là, comme le bois, donc des planches en bois. Donc, ils se promenaient avec ça. Puis c'était les nobles là, qui avaient juste le droit de marcher sur l'eau. Donc, nous, ben, on s'en sert maintenant pour la plaisance, pour la compétition, pour le touring, pour faire des longues distances, pour faire du surf avec ça, du yoga, plein de sortes de choses qui est maintenant populaire pour tout le monde. Parle-moi un peu de ton entreprise en tant qu'instructrice aussi de stand-up paddle. Oui, bien moi, j'offre actuellement à Baie-Comeau des excursions aux baleines. J'offre aussi des excursions sur la rivière Manicouagan. Des petites randonnées de 2 à 3 heures. Puis ensuite, j'aime ça venir comme ici aujourd'hui à la plage Chouinard à Pointe-le-Belle pour faire des locations, faire découvrir le sport en tant qu'initiation, en location d'une demi-heure ou une heure. Puis ça permet justement aux familles, aux touristes aussi qui viennent au camping, c'est agréable, de divertir les gens à bouger à la plage. Puis aussi, je donne ce qui est bien populaire durant les soirs de semaine, le cours de SUP yoga. Donc, on pratique vraiment le yoga sur l'eau, sur la planche, studio sur l'eau. On va s'ancrer sur une bouée qui est avec un ancrage au niveau du sol, dans le fond de l'eau. Puis on pratique le yoga attaché. Donc, on n'a pas souci de dériver, on pratique le yoga relax sur l'eau. Est-ce que c'est difficile? Il faut déjà en avoir fait? Bien, actuellement, bien, comme pas beaucoup de monde en ont fait. Donc, c'est toujours une nouvelle expérience, une découverte.
Puis c'est vraiment le fun de découvrir. Faut, je pense, sortir de notre zone de confort en quoi que ce soit, puis se laisser aller, se faire confiance, puis essayer. Puis c'est sûr que c'est le fun d'aller initier. J'offre aussi des sub-initiations d'une heure sur la rivière Amédée, qui est agréable aussi pour juste essayer la glisse sur l'eau, la stabilité, pour ensuite se faire confiance pour aller faire du yoga. Oui, justement, j'imagine qu'il y a une petite formation de base là, pour avant de commencer, pour savoir comment se tenir, vraiment l'ABC, si on veut, du SUP. Oui, exactement. Je peux vous en apprendre davantage. C'est vraiment basique. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tout le monde est capable. Là, il suffit de savoir pagayer, bien s'installer et avoir la motivation de le faire. Et je veux retourner plus particulièrement au stand-up paddle, ce qu'on va essayer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir en faire? Bien, premièrement, ça prend une pagaie. Ça prend une croix de sécurité qui est attachée à la cheville et à la planche pour éviter de la perdre. Ensuite, c'est sûr que moi, quand on va en haute mer comme ça, je préfère mettre les VFI. Mm-hmm. Puis même en balade aussi, c'est recommandé. Mais pour la partie du SUP yoga, on peut apporter la bouée sur la planche et non la porter pour être plus confortable lors de la pratique. Puis ensuite de ça, ça prend n'importe quoi, une voiture pour apporter ton stand-up partout où tu vas. La clientèle jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi? C'est très familial quand même? Oui, absolument. Mais il y a beaucoup de femmes âgées de 17 à 45 ans qui... C'est vraiment populaire pour eux de venir essayer entre amis, tout ça, entre famille. Puis aussi, aujourd'hui, il y a des jeunes femmes de 13 ans qui sont là. Donc, c'est vraiment agréable de les voir aussi. Et ça fait travailler quoi au niveau musculaire? Alors, ça fait travailler tout le corps entier, beaucoup au niveau des stabilisateurs, au niveau des abdominaux, parce que chaque coup de pagaie est vraiment important à aller. La torsion du tronc. On engage tous les muscles du corps, les épaules énormément aussi également, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des orteils pour aller s'ancrer. On peut même aller justement fléchir les genoux lorsque du vent, tout ça, aller un peu plus ardument dans le coup de pagaie. Donc, c'est bon pour tous les pectoraux, la posture du dos. Écoute, c'est parfait. T'es pas assis comme un kayak à longueur de journée. T'es debout, t'es à l'aise. Tu peux être à genoux ou pagayé, y a pas de problème aussi. Donc, ça s'adresse à n'importe qui, peu importe la forme physique, si on veut, mais ça peut en même temps faire travailler beaucoup, tout dépendant, là, la durée de la randonnée, j'imagine. Oui, puis exemple, les cours de SUP yoga, c'est encore plus exigeant parce que tu es toujours en train de rebalancer ton corps, de faire des contre-postures pour équilibrer constamment. Donc, ta posture que tu ferais au sol, tu la fais sur la planche, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment plus dur. Mais c'est plus dur physiquement parce que tout est engagé, là, tout travaille. Par rapport aux positions de yoga, j'imagine qu'on peut pas nécessairement tout faire là, quand on est sur la planche. Je pense que ça dépend de la motivation et la confiance qu'on a. Mais oui, moi, j'aime ça me pousser des défis, tout ça, pousser mes limites. Puis la seule chose qui va arriver, c'est de tomber à l'eau. Puis on se relève. Et puis oui, c'est le fun d'essayer plein de choses, des postures sur la tête. C'est sûr qu'il faut être capable de le faire au sol avant. Mais c'est sûr que le monde qui va l'essayer, je les empêche pas de le faire. C'est vraiment un beau défi. Commence avec des positions aussi de base. J'imagine travailler plus sur l'équilibre dans les premières fois qu'on l'essaie. Oui, juste se tenir debout, un pied devant, un pied derrière, les bras dans les airs, c'est super exigeant. Donc, on commence graduellement les cours. Puis plus ça va, on y va en transition, puis on ramène des belles variantes. Parle-moi un petit peu des équipements qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai une planche gonflable. Puis, il y a différentes grandeurs. Elle, c'est une 10 pieds 2. Et on a fait pour la randonnée, comme celle-ci, un peu plus large, un peu plus longue. Ensuite, t'en as fait pour le surf, qui sont vraiment plus courtes, un peu plus larges aussi. T'en as pour le touring, qui est la grande randonnée, les excursions. Donc, eux autres vont être vraiment profilées du devant et vraiment du derrière, et vraiment longues et très étroites pour aller épouser vraiment bien l'eau. Tu peux en avoir aussi pour faire du fitness, du yoga un peu plus large, un peu plus robuste, un peu plus volumineux. Tu en as vraiment pour de tous les modèles. Il y en a vraiment beaucoup de sortes, beaucoup de marques que tu peux choisir, magasiner. C'est vraiment important d'essayer avant d'acheter, je pourrais dire, parce que c'est vraiment un bel achat, mais il ne faut pas regretter parce que c'est quand même assez dispendieux. Il y en a tous les prix également. Puis pour le yoga aussi, c'est ce même type de planche-là que tu vas utiliser? Oui, exact. C'est une grande planche assez stable avec ce qu'on appelle le deck pad, le tissu qui est antidérapant pour les pieds. Il y en a qui sont un peu plus longues, deck pad, plus courts, ça dépend un peu, tous les modèles. Mais oui, moi, j'ai préféré une planche comme ça, gonflable.
C'est sûr que c'est... tu as toujours un sentiment de petit rebond avec une gonflable, mais souvent, le monde ne savent pas que c'est gonflé. Donc, ça permet vraiment d'avoir une belle sensation sur l'eau, puis ça donne vraiment un bel effet pour tout ce qu'on peut faire. Comment on embarque, comment on se tient? Fais-moi les petites explications là, de base avant de faire l'activité. Alors, ça, c'est le devant, bien essentiel, bien à savoir. Le devant, l'arrière de la planche. Alors là, aujourd'hui, on a enlevé l'aileron. D'habitude, il y a un aileron qui va en dessous, qui fait une dérive. La dérive va en dessous de l'eau, qui dépasse. Puis ensuite, tu as des petits ailerons dans les côtés qui servent à aller bien avancer sur l'eau. Puis ensuite, tu as la poignée. Tous les stand-up ont une poignée. Donc, la poignée sert de centre de la planche où on va toujours aller diriger nos jambes ou nos genoux lorsqu'on va embarquer ou on va se lever debout. Bien important. Alors, on va chercher beaucoup à aller placer nos pieds de largeur d'épaule au début pour avoir un peu plus de stabilité toujours. Puis ensuite, on a la pagaie. Donc, la pagaie, elle a un sens. C'est comme une pagaie de canot. Alors, on a le pommeau. Puis ici, on va porter une main au centre, toujours. Puis c'est toujours ajustable à la grandeur. Alors, on va toujours chercher... Là, celle-là est vraiment trop grande pour moi. Alors, j'irai chercher une bonne grandeur de tête de plus que moi pour aller chercher un meilleur appui au niveau de l'eau. Et la palette, plus rentrée dans l'eau, bien, c'est certain que j'ai une meilleure direction. Alors, la palette, toujours en verticale à l'eau. Alors, on va pousser. On fait des mouvements qui sont ambidextres pour aller naviguer la planche le plus droite possible. Alors, on va toujours aller naviguer des deux côtés. Alors, je change de main d'appui au centre et je vais rediriger de l'autre côté, ainsi de suite. Alors, je vais toujours naviguer comme ça. Donc, c'est on fait nos propres directions selon là où on veut aller. On alterne la pagaie. Oui, exactement. Même chose qu'en canot. On veut diriger à gauche, on pousse l'eau devant. C'est comme un peu nager aussi. On se dirige. On s'attache toujours, important aussi, j'imagine. Oui, on s'attache au niveau... Moi, j'aime ça m'attacher à la cheville, mais c'est vraiment bien fait pour le mollet également. Alors, c'est à la jambe de ton choix. Puis, ça donne vraiment une belle sensation là, de marcher sur l'eau. C'est super agréable. Claudie Ouellet est désormais sur l'autre rive, au Bas-Saint-Laurent, et fait maintenant connaître son amour pour le SUP à Rimouski. Elle a laissé ici une passion qui se propage auprès de la population nord-côtière. Une très belle façon de faire le plein d'air marin. Bonne expédition!